Bonjour à tous, Zeynep Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire réalisé avec succès votre migration vers ALM Octane. Nous allons déjà démarrer avec quelques conseils pratiques pour utiliser l'outil. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module aux questions qui se trouve en bas à droite de l'écran et nous n'y manquerons pas d'y répondre à la fin de la session. Vous pouvez également télécharger la présentation slide et la documentation dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'agenda. Que va-t-on découvrir aujourd'hui? On va faire une rapide introduction sur les solutions ALM Octane de Microfocus et le gros du webinaire, parler bien sûr des meilleures pratiques pour une migration réussie. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc là, je vais passer la main à nos deux speakers aujourd'hui. Donc Gérard Daniel, qui est notre consultant expert sur la partie DevOps et ALM Octane, et Eric Touez, qui est notre consultant également expert sur la partie Professional Services. Je vous passe la main. Merci Zénat. Bonjour à tous. Alors, en introduction de ce webinaire, je vais faire un rapide descriptif des solutions ALM de Microfocus. Il y en a effectivement un certain nombre. Elles sont trois aujourd'hui dans notre portfolio. La première, historique, j'ai envie de dire, Quality Center. Là, on va parler d'une solution qui va vous apporter la gestion de la qualité intégrée au sein d'un projet et effectivement on va retrouver ça de manière largement diffusée pour tout ce qui va souvent d'ailleurs être le suivi d'un projet dans un mode plutôt cycle en V très traditionnel avec effectivement un besoin de gestion de la qualité, de visibilité à travers des dashboards et de cohérence à travers un certain nombre de contrôles qu'on va pouvoir mettre de manière transverse sur la gestion de la qualité applicative. Son grand frère, c'est ALM, Application Lifecycle Management, qui finalement reprend les mêmes concepts que ceux de Quality Center, mais va les étendre pour l'entreprise. Et donc là, on va non seulement être capable de gérer un projet, mais également au niveau de l'entreprise, de mettre en place des bonnes pratiques, de mettre en place des templates qu'on va pouvoir utiliser, de partager des assets entre projets, et puis également de mettre en place un reporting transverse qui, par exemple, dans le cadre d'un centre d'excellence, pourra permettre de connaître la qualité d'un ensemble d'applications qui sont gérées à travers ALM. Donc, non seulement effectivement des process de gouvernance et d'analyse pourront être mis en place, mais également d'autres populations pourront se retrouver dans ALM, puisque aujourd'hui ALM peut être utilisé par les équipes de dev pour, par exemple, traiter les anomalies, en plus des équipes traditionnelles, on va dire, de qualité, qui sont à même de gérer tout ce qui va être test sur les applications. Le dernier né, c'est ALM Octane. ALM Octane est dans le paysage des outils de gestion du cycle de vie d'application, celui qui va nous permettre de vraiment gérer la partie projet agile. C'est vrai que ce soit Quality Center ou ALM, et de par leur origine, a été plutôt orienté gestion du cycle de vie traditionnel, cycle en V, comme on peut dire en France, waterfall, comme disent les Anglo-Saxons. Octane, lui, au-delà d'être capable de gérer ces types de projets, va également être capable de gérer les projets agiles qui ont une certaine spécificité. Hein. On va retrouver beaucoup de visual management, on va retrouver la gestion des backlogs, on va retrouver évidemment tout ce qui peut faire l'attrait de la mise en place d'un outillage dans une initiative DevOps. Mais effectivement, à tout ceci, on va additionner la vision qualité, qui est un petit peu l'héritage de Quality Center et d'ALM, et donc de proposer un outil qui va à la fois mettre en place la gestion de projet agile et gérer la qualité. Brièvement, si on regarde les principaux modules d'une solution comme Octane, on va retrouver des champs très standards que l'on peut connaître aujourd'hui dans Quality Center ou ALM, par exemple. Je parle ici de la gestion des exigences ou de la gestion des anomalies ou du backlog ou la qualité, bien évidemment. Et puis des choses qui vont être plus spécifiques à la gestion d'un projet agile, par exemple la gestion du backlog ou du team backlog. Hein. Le team backlog, vous savez, c'est ce module où on va retrouver souvent les post-it, hein, qui sont un peu l'apanage
des projets agiles. Et puis tout en haut à gauche, un module qui s'appelle le Pipeline Management, qui lui va faire finalement l'intégration avec un serveur type Jenkins, Bamboo ou autre. Donc pour tous les process d'intégration continue qui sont là aussi un petit peu les nouvelles manières de développer des applications, eh bien Octane va être capable d'aller rechercher toutes les informations qui sont importantes pour comprendre la qualité de tout ce qui est construit de manière continue, pourquoi pas toutes les nuits dans les builds de nuit si vous avez ce genre de pratique. Donc vous voyez que le périmètre va bien au-delà de ce que l'on sait faire avec un outil comme ALMQC. D'où effectivement la question et le sujet de ce webinaire, comment faire pour passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que mon organisation commence à avoir des projets qui étaient comme dans le cercle à gauche en mode traditionnel, cycle en V itératif, et veut commencer à se mettre à l'agilité, peut-être dans un premier mode hybride, où on va faire peut-être du Scrum ou autre, jusqu'à, on va dire, arriver à tout ce qui est DevOps, intégration continue, les pipelines, etc. Donc, évidemment, ce que l'on propose, c'est un chemin qui va vous permettre de récupérer un certain nombre d'assets sur lesquels vous avez pu capitaliser au cours des différents projets que vous avez gérés avec Quality Center ou ALM, et de voir comment est-ce que ces investissements que vous avez pu faire dans nos solutions, dans un mode cycle en V traditionnel, vont pouvoir être réutilisés dans une approche plutôt agile DevOps. Et ici, la frontière est tracée de manière très précise sur le slide, hein, on voit la différence entre ALMQC et Octane. Bien sûr, c'est quelque chose qui est un peu plus flou, hein. On peut pourquoi pas commencer à faire quelques projets traditionnels avec ALM Octane si on n'a pas forcément d'historique, ou en mode traditionnel, on peut aller un petit peu plus loin que ce que montre la flèche. Mais l'idée, c'est bien un moment de se dire comment est-ce que je fais pour passer de l'un à l'autre, et c'est l'objectif de ce webinaire. Donc je vais passer la main à Eric Loez, qui est notre expert professional services, et qui va effectivement nous détailler quels sont les outils qui sont à disposition pour vous permettre de gérer efficacement cette migration. Eric. Oui, merci Gérard. Donc effectivement, bonjour. Donc Eric Loez, moi je suis consultant donc dans l'équipe Professional Services, intervenant chez l'ensemble de nos clients pour déployer et assister ceux-ci dans l'utilisation de nos solutions autour des offres de testing. Donc effectivement, l'objet de la présentation est de vous préciser comment sont mener les projets de transition de l'héritage ALM, donc ALM.NET, comme on va l'appeler au cours de la présentation, vers donc ALM Octane, qui est la nouvelle solution donc plus orientée agile, mais intégrant aussi des projets en mode hybride. Tout d'abord, effectivement, quels sont les challenges à adresser lors de cette migration? Premier des points à prendre en compte, c'est que ALM.NET, ALM Octane, ce sont effectivement deux produits de la même gamme autour du testing, mais deux façons de travailler différentes. À la fois déjà parce qu'on va adresser des projets, des types de projets potentiellement différents, et aussi parce que ce sont deux produits qui, on va dire, ont été développés à des époques différentes et qui ont effectivement une philosophie de travail différente, avec un ALM.NET très ouvert, notamment avec beaucoup de customisation possible avec du code par exemple, et on va dire un cycle de vie orienté cycle en V, et ALM donc Octane qui est plus orienté pour des projets agiles avec des customisations, des workflows conçus et pensés de manière différente. Donc c'est déjà cette première chose qu'il va falloir appréhender, c'est comment finalement au-delà de la migration des données en tant que telle, comment je vais mettre en œuvre Octane et quel va être mon mode de déploiement de cette solution. Deuxième aspect bien sûr à prendre en compte lors de la migration, c'est la charge de travail. Cette charge qui va être bien sûr un plus ou moins importante selon les volumes de données qu'on va vouloir récupérer. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Tout un travail effectivement important à faire en amont d'analyse de l'existant pour savoir finalement ce qui est essentiel de reprendre, sachant que
Dans le cadre des projets, on va rarement, voire quasiment jamais être dans un mode Big Bang, c'est-à-dire je reprends tout mon existant ALM.NET pour le migrer vers ALM Octane. Le troisième point étant bien sûr la nécessité d'avoir des ressources et surtout une expertise autour de ce type de migration, puisque derrière la récupération de ces données, il faut une maîtrise bien sûr des API, des API REST notamment, pour pouvoir récupérer donc depuis ALM.NET et migrer en ligne vers ALM Octane l'ensemble des informations. Donc ces trois challenges en fait que nous, que Test Protection Services, nous adressons dans le cadre de nos projets et qui va faire l'objet donc des slides suivants. Donc effectivement, comment nous on peut vous aider, Microfocus de manière générale et les professional services d'un autre côté, on peut vous aider sur ce type de projet. Tout d'abord, on peut vous aider en amont et en aval des projets. En amont, pour vous aider à la transformation. Puisque derrière Octane, comme le précisait Gérard, il y a aussi toute la vision DevOps, Continuous Testing notamment, et donc comment Octane finalement va s'intégrer dans ma chaîne logicielle, à savoir par exemple du Jenkins, du Git par exemple, et donc comment le produit va s'intégrer dans mon écosystème. Comment finalement je dois définir les éléments que j'ai dans ALM.NET, ceux que je dois migrer, une fois migré, comment je les retravaille dans Octane pour qu'ils puissent être utilisables rapidement par mes équipes en cours de test. Donc ça, c'est la partie de transformation, comment je customise le produit, etc., etc. Puis bien sûr, post-migration, à minima, effectivement, comment j'accompagne les équipes suite à la migration, et bien sûr, toute la partie formation avec la mise à disposition de formation, de type e-learning, qui peut permettre, sur un programme de 6 heures, de former les équipes, par exemple, les utilisateurs, à l'utilisation du produit. On peut vous accompagner bien sûr sur notre expertise approfondie, à la fois sur Octane et bien sûr sur .NET. Avoir la double compétence de nos consultants qui peut permettre effectivement de pouvoir traiter vraiment la partie transformation et la partie accompagnement post-migration. Donc d'avoir, on va dire, une continuité de service sur la prestation. Et le dernier point qui est important, bien sûr, c'est de vous accompagner par l'outillage, à savoir qu'un outil a été développé donc pour vous permettre de récupérer votre existant, tout ce patrimoine qui, pour beaucoup de clients, a pris des années à construire, donc qui est dans ALM.NET, donc de pouvoir le rapatrier dans ALM Octane. Et on va voir par la suite donc quels sont les éléments qui seront possibles de qu'il sera possible de reprendre dans le produit. Alors les avantages d'utiliser en fait ce type d'outils de migration notamment, qui est l'objet de la présentation aussi, c'est qu'effectivement, déjà c'est d'accélérer cette migration. À savoir que l'outil qu'on utilise, bien sûr, c'est l'outil qui a été développé par notre R&D, et qui effectivement est l'outil automatisable, configurable, qui va permettre de récupérer des gros volumes de données, on va voir par la suite de pouvoir récupérer partiellement des données, les customisations, et donc de minimiser au maximum le temps d'indisponibilité des projets. Deuxième point, on sécurise donc la migration grâce à cet outil, puisque bien sûr ça va nous éviter un certain nombre d'erreurs humaines qui seraient inévitables si on faisait ça manuellement, ne serait-ce que par des copier-coller, des choses comme ça. On récupère effectivement toute l'expérience et l'expertise maintenant depuis ces dernières années de ce type de migration. Bien sûr, il y a eu plusieurs phases de conception de cet outil. Maintenant, c'est un outil qui a été éprouvé sur un certain nombre de migrations et qui peut donc être utilisé de manière industrielle pour nos clients. La sécurisation passe aussi bien sûr par, encore une fois, la connaissance des consultants de l'ensemble des produits ALM.NET et ALM Octane pour permettre effectivement, et bon, le cas échéant, d'adapter la solution, en tout cas de proposer des solutions de contournement en cas de spécificité. Et le dernier point sur lequel que j'abordais déjà tout à l'heure, c'est qu'on est quand même dans une façon différente de travailler. Il va falloir comprendre comment finalement Octane doit être mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre les données, de les mettre dans Octane. Derrière, ça reste de la donnée brute. Il va falloir après la mettre en musique et pouvoir être opérationnel et rendre les équipes opérationnelles. L'idée étant qu'on va récupérer dans Octane normalement tous les projets qui sont vivants et qui sont en activité. Donc l'idée, ça va être effectivement de pouvoir vous mettre le pied à l'étrier rapidement, à la fois sur la façon de travailler, à la fois bien sûr comment ça s'intègre dans l'écosystème agile,
et bien sûr pour vous former le plus rapidement possible à cette solution dans ce qu'on appelle des offres de type Quick Start. Alors, qu'est-ce qu'il faut migrer? Donc finalement, ça c'est le premier point à avoir, à savoir c'est qu'est-ce qu'on va récupérer, quel est le travail de préparation et surtout de comprendre ce qu'on ne pourra pas migrer. Alors soit parce que techniquement parlant, on ne pourra pas le faire, soit parce que, encore une fois, il faudra déterminer qu'il n'est pas nécessaire de récupérer l'historique de tous les projets, voire les projets qui sont archivés, les projets désactivés, etc. dans LM.NET. Donc, on va vraiment se focaliser sur migrer que les entités nécessaires à la continuité de l'activité et donc à la continuité des projets qui sont en cours de phase, de test ou de conception. La migration pourra comprendre à la fois la customisation des données uniquement, ou partiellement les données d'un projet, ou l'intégralité des données d'un projet. Donc c'est le premier point qu'il faudra prendre en compte, c'est ce travail de préparation. Il sera à la fois important pour éviter de, on va dire, de reprendre ce qui n'est plus nécessaire de ALM.NET vers ALM Octane, et aussi parce que forcément cela impacte la charge et le temps de migration. Donc dans la préparation, donc on va d'abord définir quels sont les projets à migrer. Donc est-ce que je récupère tous ceux qui sont archivés ou inactifs à ce jour? Il peut y avoir des contraintes légales ou des choses comme ça. Maintenant, ça veut plutôt avoir la peine de garder une instance ALM.NET active avec quelques licences plutôt que de récupérer des projets qui seraient, on va dire, à retravailler en plus à Octane. Donc, on va limiter la charge de travail à ce niveau-là. Et donc, finalement, déjà, en premier temps, sur des grosses bases installées, notamment 200, 300, 400 projets, par exemple, on va essayer quand même de faire un gros travail d'archivage en regardant quels sont les projets actifs, quelles sont les données qui sont activées. Active et utilisée. À titre d'exemple, quand je fais les audits autour de Quality Center, d'ALM.NET, il arrive fréquemment que je constate que plus de 50% des tests d'une base ne soient pas exécutés. C'est-à-dire que j'ai 50% de mes tests qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre des campagnes et donc exécutés. Donc, ce type de point, il faudra quand même y réfléchir avant de savoir si on migre ou pas, surtout quand on parle de gros volumes de données. Et bien sûr, donc il y a la partie amont, donc ce que je dois migrer, la partie aval, c'est vers où je les migre, donc la notion de workspace, hein, qui est la notion, on va dire, équivalente de projet au sens Octane, donc vers quoi je vais migrer mes données et comment finalement je vais les réorganiser. Ça peut être l'occasion aussi de prendre des projets qui étaient uniques dans ALM.NET, de les splitter en plusieurs workspaces dans Octane, ou inversement, des projets qui étaient splittés dans ALM.NET, de les réunifier dans des workspaces Octane, puisque ça, l'outil permettra de le faire. Donc, les périmètres de migration, on va déjà effectivement définir combien d'items on va migrer. Donc, on va parler des items autour des requirements, des tests, des defects, des releases. On va donc déterminer avec nos clients quels sont ceux qu'on va conserver, quelles sont les customisations qu'on va à la fois récupérer et appliquer au projet. Donc, notamment les champs, les utilisateurs, les listes. Et surtout, quels sont les items qu'on ne saura pas migrer. C'est-à-dire que, par exemple, les BPT, un certain nombre de tests automatisés, je vais revenir dessus par la suite, seront des éléments qu'on ne pourra pas récupérer. Afin de minimiser les risques, on va vous inciter fortement à diminuer le volume de données à migrer. Tout simplement, encore une fois, pour on va dire, diminuer la charge et la complexité. Les historiques autour par exemple, des tests, des anomalies, tous les runs au niveau des tests, il va falloir se poser la question de savoir est-ce que je les garde, combien j'en garde, et sur combien de cycles, combien d'années, par exemple, pour les runs, je vais les garder. Bien sûr, on passera sur des phases classiques de tests de migration, de validation du contenu de la migration. Et de toute façon, on vous préconisera de passer par des projets pilotes, de toute façon, qui est le déploiement, à dire ça, c'est standard qu'on voit en ce moment chez nos clients, de ne pas être dans un mode Big Bang, hein, de dire je passe de ALM.NET à ALM Octane, mais plutôt de commencer avec une instance Octane, des projets pilotes, et puis derrière, on va dire une industrialisation de la démarche. Donc les éléments migrés, on va pouvoir récupérer tout ce qui est release et cycle target, donc cible, ce qui est essentiel, hein, ce qui va devenir des backlogs, des sprints au niveau de Octane, les defects, les anomalies, les tests manuels, les exécutions de tests manuels, les exigences, les pièces jointes
et les liens entre ces différentes entités. Donc, vous voyez, on récupère quand même pas mal de choses et bien plus détaillé. Ce qu'on récupère pas, c'est au niveau de tests automatisés, tout ce qui va être test avec des ressources partagées. Donc, tout ce qui va utiliser le module test ressources du FT, les bibliothèques de fonctions, les object repository partagés, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas migrer, qui devront soit rester dans LM.NET, s'il y a un projet spécifique là-dessus et on se dit que ce projet ne sert qu'à de l'automatisation, ou il faudra qu'il soit recréé manuellement dans Octane. De manière générale, s'il n'y a pas de ressources partagées, par contre, les tests UFT pourront être récupérés par l'intermédiaire d'un job Jenkins. Les composants BPT, ça on ne pourra pas les récupérer puisque en tant que tel, la notion de BPT n'existe pas à ce jour dans LM Octane. Donc, dans ce cas-là, il faudra effectivement réfléchir d'un point de vue conceptuel à comment on peut reproduire ce type de fonctionnement dans Octane. En tout cas, ils ne pourront pas être migrés automatiquement. D'autres petites limitations, c'est qu'on ne récupérera pas tout ce qui est paramètres et configuration de test. Au niveau des runs, donc effectivement, on va pouvoir recréer les tests sets de ALM vont être transformés en test suite dans Octane, donc on va dire l'équivalent dans Octane. Par contre, on ne pourra pas refaire le lien avec la notion de run, c'est-à-dire que tous les runs liés à des tests sets, eux, ne pourront pas être repris. On reprendra les runs individuellement au niveau de chacun des tests, mais pas au niveau d'une campagne complète. Donc ça, cet historique-là n'existera plus dans la partie migration. Après, quelques éléments au niveau des releases, des cycles, on ne récupère pas les pièces jointes, les milestones. Au niveau des customisations dans les listes, toute la notion de hiérarchisation des listes, telle qu'on peut l'avoir dans LM.NET, c'est quelque chose qu'on ne reproduit pas dans Octane. Et il y a un lien qui n'existe pas dans Octane à ce jour, c'est le lien test, manual test defect, qui lui, bien sûr, ne pourra pas être repris non plus. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les limitations à ce jour de l'outil. Mais outre ces limitations, effectivement, tout ce qu'on pourrait migrer, on peut très vite avoir des gros volumes de données. Je vous donnerai un exemple à la fin de temps de migration, mais c'est vrai que ça peut très vite être pour des grosses bases très impactant en termes de charges de travail et charges de migration. Donc c'est pour ça, d'où le travail de vraiment de bien filtrer en amont. Juste un slide très rapide hein, sur l'outil. Donc c'est un outil qui a été développé par notre R&D. C'est un outil Java, développé en Java, qui est configurable. Donc il y a un outil qui se lance en ligne de commande, qui est très bien documenté dans tout ce qui est log, statistiques d'avancement, qui pourra permettre de faire des migrations partielles, donc en utilisant des filtres sur les anomalies, les tests manuels, les campagnes, qui va permettre aussi de pouvoir repartir de migrations précédentes, donc de pouvoir être exécuté plusieurs fois sur le même espace, et donc de pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire éventuellement dans un même workspace des migrations cumulatives, donc de pouvoir effectivement dire bah, je prends plusieurs projets à LM.NET et je remets tout ça dans un workspace, donc je vais pouvoir alimenter mon projet. On peut traiter des gros volumes de données, même si encore une fois l'orientation va être de dire il faudra quand même qu'on simplifie le volume et les données qu'on va récupérer. Et un point important, prérequis, il faut être dans une version LM.NET à ce jour, qui est la 12.2 ou la 12.53, qui sont officiellement les deux versions supportées autour d'ALM.NET. Ça veut dire qu'on ne l'a pas testé sur une 11.52, une 11.0, une 10. Donc là, ouais. Si vous êtes dans ce cas de figure, il faudra qu'on voit si il faut passer par une migration préalable ou si voilà, il faut qu'on valide l'outil sur ces migrations, sur ces versions-là. La R&D n'ayant fait ses tests que sur la 12.2 et la 12.53. Donc nous, on vous accompagne sur des projets dits clés en main, donc c'est des projets au forfait. On a un calculateur existant qui nous permet assez rapidement, à partir du volume de projet, votre version, etc., de pouvoir rapidement revenir vers vous sur des chiffrages et des estimations de budget. Donc nous, le projet qu'on préconise finalement sont les projets dits clés en main, donc avec un déploiement de bout en bout, de la conception, donc dans le cadre de conception, ce qu'on appelle conception, c'est la spécification des customisations autour d'ALM Octane, l'architecture donc du produit pour un déploiement en production, son installation, sa configuration, et effectivement derrière la réalisation à proprement parler de la migration des données donc de .NET vers Octane, avec toutes les étapes dont je vous ai parlé, à la fois la préparation qui sera très importante, l'installation de l'outil, le mapping et bien sûr toutes les phases de validation, migration à blanc, etc.
Donc effectivement, donc, en termes de livrables, parce qu'on est sur des projets au forfait, hein, donc vous retrouverez un ensemble de livrables assez classiques dans le cadre de nos projets. L'objectif étant bien sûr de vous rendre totalement autonome sur la solution, avec un produit qui soit déployé, avec des données qui soient reprises et utilisables, bien sûr de suite, et vos équipes formées dans le cadre de vos projets, donc encore une fois avec des formations qui soient spécifiques, soit de manière très très générique avec la partie e-learning. Titre d'exemple, hein, voilà, vous retrouverez ça dans la présentation que vous pouvez télécharger. Voilà, oui, on a fait un test avec à peu près 10 000 sur 10 000 par exemple items à migrer. On se retrouve à peu près pour 2 heures de migration lorsqu'on est en production. C'est-à-dire qu'on a quand même fait toutes les phases de préparation au préalable. Donc, dernier point, là, vous retrouvez finalement nos différents points forts, entre guillemets, différenciateurs, à savoir qu'on peut vous accompagner vraiment de bout en bout. Donc, là, on a présenté la solution technologique. On peut bien sûr vous accompagner sur des workshops pour vous aider à cadrer ce type de transformation, que ce soit très outillé autour d'Octane, que ce soit de manière plus générale autour des workshops et notamment autour de DevOps, transformation DevOps ou Agile de manière générale. J'en ai fini. Merci Eric, merci Gérard. Nous allons passer à la session de questions-réponses. Il y a pas mal de questions sur la chatroom. Donc la première question, est-ce que l'outil de migration est mis à disposition des clients ou partenaires? Alors, à ce jour, l'outil de migration est uniquement disponible pour les équipes Professional Services et les clients certifiés, les partenaires certifiés, excusez-moi, à savoir formés sur l'outil et qui seront habilités par les Professional Services à l'utiliser. Il y a une deuxième question toujours sur l'outil de migration. Est-ce que c'est optionnel, payant ou disponible dès qu'on a le produit? Comme je viens de le répondre, en fait, c'est bien sûr payant dans l'absolu, c'est une prestation de service où effectivement il faut passer par un partenaire qui sera certifié. D'accord. Autre question, y a-t-il des limites, exemple volumétrie, du repository, domaine, project à l'outil de migration? Pas à ma connaissance à ce jour, non, comme je disais tout à l'heure, on peut migrer sur des gros volumes de données. Les tests ont été faits sur des gros projets. Donc j'ai pas de connaissance de volumétrie, on va dire de limitation. Pour autant, comme je le précisais plusieurs fois, il faut quand même travailler sur la phase d'analyse et de préparation pour limiter et filtrer au maximum les données pour ne pas récupérer un certain nombre de choses inutiles. D'accord. Il y a encore d'autres questions sur la chatroom, mais comme il est la demi, on va y répondre par email. On ne manquera pas de le faire puisqu'on a enregistré toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. N'oubliez pas de télécharger la présentation slide et la documentation dans le module Handout. Et juste avant de finir, n'hésitez pas à aller visiter le site ALM Octane qui s'affiche et également notre chaîne de webinaire dédiée à toutes nos solutions autour de DevOps. L'agilité, la mobilité, exactement, etc. Et pour finir, nous allons également vous donner rendez-vous sur des prochains webinaires, comme la partie Mobile One, qui est notre salon de la mobilité, le 14 et 15 novembre à Paris. Nous vous donnons également rendez-vous lors d'un prochain webinaire le 17 octobre sur le World Quality Report. Qui est une étude menée en partenariat avec Capgemini et Sogeti sur les tendances du test et la qualité des applications. Et vous avez également la possibilité de télécharger cette étude. Donc voilà, les liens s'affichent sur les slides que vous pouvez télécharger dans le module Handout. Et avant de finir, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'afficher juste à la fin. Donc merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi. Eric et Gérard, merci pour votre présentation. À très bientôt. Au revoir.